Bah, je m'entraîne, j'ai un nouveau métier. Maintenant, je fais des collages magiques qui donnent plein de pouvoirs super méga cool. Quoi? Tu as appris calligraphie? Ouais, c'est le joueur de la guilde de justice qui s'appelle Arok qui me l'a conseillé. Il m'a dit que c'était super utile pour les castors comme moi. Les castors? Castor, pas castor. Hein? Je me disais aussi, je suis pas un castor. Lol. Mais c'est quoi un castor? Ce sont les classes de joueurs qui ont besoin de canaliser du mana. Ah? Ok. En tout cas, Fantôme, il est devenu plus fort grâce à moi. Il a gagné plus 3 points de vie de magie. Quand il va revenir devant son écran, il va être trop content, je pense. Hein. Merci qui? Merci Sparadrap. Istos, est-ce que je pourrais te parler une minute, s'il te plaît? Qu'est-ce qui se passe, Saphir? Écoute, tu sais qu'avec l'absence de Fantôme de ces derniers jours, la guilde Roxor risque de nous passer devant. Je sais, mais maintenant qu'ils ont supprimé le hacker et qu'il est revenu, ça devrait aller mieux, non? Oui, mais le problème est ailleurs. Ah bon? Avec le retard que nous avons pris, chaque détail compte, tu me suis? Oui. Et vu que le classement général des guildes prend en compte les caractéristiques de tous les membres, mon boulot consiste à ne recruter que les meilleurs joueurs niveau 100. Ah d'accord, je commence à comprendre où tu veux en venir. Précisément. Je sais, mais le pauvre, tout le monde le traite comme le dernier des nous. La guilde, non, la guilde justice. Oh, tu as raison, les gens sont vraiment injustes avec lui. J'ai pas arrêté de le rusher, il est déjà niveau 15. Je te promets, il sera bientôt niveau 100. Istos, je te rappelle que si on ne se dépêche pas de tuer la source du néant, la guilde Roxor va nous passer devant. Je sais, on a besoin d'un meilleur stuff, et pour ça, il faut farmer la nouvelle instance. Voilà, tu comprends pourquoi j'ai besoin que tu sois concentré et disponible. Bon, là, j'ai un entretien de dernière minute. On réglera ça plus tard. Hé, hey, Istos, tu veux pas m'aider à recommencer ma collection de smourbif? J'ai tout perdu à cause du vilain maître de jeu. Hein? S'il te plaît. Écoute, il va falloir que tu apprennes à être plus sérieux. Ah bon? Comme Fantôme? Je vois. Je parle de ton attitude, Kevin. Maintenant que tu es dans la guilde de justice, tu dois te comporter autrement. Pourquoi? Moi, si je joue à Horizon 1.1, c'est pour m'amuser avec mes copains, hein. Je sais, mais les joueurs d'élite ne voient pas les choses sous cet angle. Pour eux, les MMORPG deviennent presque un métier à plein temps. Bon, d'accord, je vais essayer. Mais quand même, travailler dans un jeu vidéo, c'est pas très drôle, hein. Et en plus, on n'est même pas payé. C'est pas trop injuste, ça? Bonjour madame. Désolé, j'ai dû me tromper d'endroit, j'ai un entretien là. Oui, c'est moi. Tenez mon CV. C'est une blague? Non. Ah, parce qu'en plus vous êtes sérieux? Tout à fait. J'ai pris rendez-vous pour entrer dans la guilde de justice. Et qu'est-ce qui vous fait penser qu'un joueur aussi bas niveau que vous ait sa place dans la meilleure guilde d'Horizon 1.1? J'ai ouï dire que vous avez recruté le pire noob du serveur, qui plus est à niveau 1. Je vous avoue, j'ai eu du mal à le croire. Mais quand j'ai réalisé que c'était pas une blague, je me suis dit que finalement, j'avais peut-être toutes mes chances. Et voilà, il suffit d'un écart de conduite pour que tous les boulets débarquent. Comment? Rien. Bon, passons à votre entretien, assassin Omega Zen. Bien, commençons. Je vois que vous avez un emploi. Oui, dans la vraie vie, je suis reporter. Vous savez que c'est un très mauvais point. Ça veut dire que vous ne serez jamais un membre à plein temps. Seriez-vous prêt à quitter votre métier pour la guilde de justice? Mais comment je vais payer mes factures, moi, sans travailler? Bah, à votre avis, pourquoi le chômage et les allocations existent? Passons. Combien de nuits blanches passez-vous par semaine sur Horizon 1.1? Madame, comme je travaille, faut que je puisse dormir un minimum, quand même. Mauvaise volonté, je note. Je préfère vous prévenir, nous n'apprécions pas les feignants. Encore un mauvais point. Vous êtes niveau 100? Ah non, pardon. Vous vous basez sur un précédent pour demander une dérogation. Et où en êtes-vous avec vos réputations? Ouais, mais à cause de Gaïa et Sparadrap, on a échoué de nombreuses quêtes, hein, et du coup, on est mort un nombre incalculable de fois. Ne réponds pas à la question et rejette la faute sur les autres. Esprit d'équipe, 0. Mais non, mais en fait...
Votre équipement est-il optimisé? De quoi? Vous avez les meilleurs enchantements pour votre niveau, les meilleures graines élémentaires, les meilleures, la meilleure calligraphie possible? Bah, j'ai pas trop de crédit en banque, hein. Tout ce que vous me dites là, ça coûte super cher, et puis j'ai déjà du mal à payer mes réparations, moi... Radin en plus, de mieux en mieux. Sans oublier le manque de fonds en banque qui témoigne d'une absence de farming. Saphir, Fantôme n'est plus FK, il demande quand est-ce qu'on y va. J'arrive. De toute façon, j'en ai fini avec cet entretien. Madame, alors? Eh bien, après mûre réflexion, je pense que vous pouvez nous être utile. C'est vrai? Tout à fait. Pour cela, il vous suffit de recommencer un personnage dans la coalition et de vous faire recruter par la guilde Roxor. Mais pourquoi la guilde Roxor? Moi, c'est chez vous que je vais rentrer. Parce que vous ferez tellement baisser leurs statistiques qu'on sera assuré de rester numéro 1 tout le temps que vous jouerez. T'y allais un peu fort quand même, là. Même s'il n'est pas très sympa, il ne mérite quand même pas ça. Oh, tu me connais, je ne suis pas du genre à tirer sur l'ambulance. Il m'a fait pitié, je l'ai ménagé. Oh, mais que vois-je? C'est mon très vieil ami, l'assassin Omega Zell. Je dois récolter des crédits en ressent quelques mobs pour financer mes prochaines leçons de calligraphie afin de me perfectionner dans l'intérêt de la guilde. Justice! Veux-tu te joindre à moi, assassin? Omega Zell? Vous êtes là? Eh, you? Hier soir, comme d'habitude, j'ai très peu dormi ce matin, comme d'habitude. Mon clavier AZERTY est tatoué sur mon front. On m'a joué mon menton. Mon perso immobile m'attend depuis longtemps. C'est si dur de jouer du matin jusqu'au soir, de conquérir des mondes, de se battre sans savoir si demain. Banni, j'avais peur que tu joues plus à Horizon 1.1 et qu'on se perde de vue. Alors j'ai pris une décision. Une décision? Quel genre de décision? J'ai décidé de traverser toute la France pour venir m'installer avec toi. Comme ça, on sera toujours ensemble, on sera les meilleurs amis du monde. Comme